Mayonnaise ketchup ici, c'est limite une insulte, donc faut pas déconner. Alors, je vais commencer par les frites. On va commencer direct par le sandwich. Franchement, c'est délicieux. Alors, je sais pas comment on arrive à la conquête d'un sandwich de ce délire-là. Ça va, c'est abordable. Ouais, franchement, c'est abordable de fou. Regarde, il y a vraiment tout, il y a des légumes dedans. Ce qui est assez rare parce que d'habitude. Bah voilà, pour moi c'est pas habituel. Pour moi ça c'est pas habituel. C'est le cas des latins. Alors on est sur des broches de poulet. Oignon rouge. Tomate. Il y a de la carotte, il y a de l'aubergine. Franchement, c'est délicieux. Alors, les pains sont achetés ailleurs, sont sourcés ailleurs. Mais ils vont chercher des produits chez des spécialistes de cuisine méditerranéenne. Alors, c'est un voyage. Hein. Au niveau des saveurs, c'est un voyage parce que poulet feta, ça se passe super bien. La courgette, en fait, tout ça, c'est hyper rafraîchissant comme sandwich, je sais pas comment le dire. Mais pour tout ce qu'il y a, c'est hyper abordable. C'est un truc de ouf. Alors qu'est-ce que vous en pensez pour le prix? En plus au niveau, comment dire, alors autant au niveau gustatif que au niveau visuel, il se passe un truc. Allez. Au niveau du poulet, on est sur du haut de cuisse. Le haut de cuisse, c'est hyper bon parce que c'est une... pour moi, c'est la partie la plus tendre du poulet. Personnellement, je sais pas ce que vous en pensez. J'ai pas mangé à midi pour en arriver à ce moment-là. Et c'est un beau moment. Voilà. Et les frites, elles sont comment? Regarde. Les frites, elles sont hyper généreuses. Elles sont bien craquantes. Bien bonne. L'ambiance est très cool et le cadre est vraiment cool. Alors comme on disait tout à l'heure, le lieu est pas très grand certes, mais on est plus sur de toute façon c'est un sandwich de takeaway, donc on se pose pas ici comme on se pose au restaurant et tout ça, bien que le souhait du gérant soit d'ouvrir un espace un peu plus grand par la suite, de voir aussi aller sur d'autres alternatives, parce que sur la carte ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y avait une proposition vegan, ce qui est, je trouve, assez ouf parce que c'était pas un effet de mode, c'était le cas des